like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et je m'en excuse. C'est partiellement ma faute et partiellement pas du tout ma faute. Donc, brièvement en ce moment, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous déjà, ce serait une bonne chose de faite. Je suis en plein rush pour mon projet de fin d'année, comme vous savez, projet X1 sur Instagram, donc ce grand projet qui va faire une bombe dans le feed game et qui prend beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Ça va être un truc extrêmement lourd, ça va sortir le 19 septembre et je travaille de fond en comble pour ce projet. Il y a une part des raisons pour lesquelles il n'y a pas de vidéos qui sont sorties depuis, c'est que je travaille sur ce projet. Mais aussi que ce putain d'ordinateur qui me sert d'ordinateur portable a lâché. Donc je me suis connecté une fois, il m'a dit écoute, nique ta mère, et puis ton père aussi, ça sera pas mal. Et puis il s'est éteint, il a mis 5 jours à rallumer, tout ça pour me dire que le disque dur était mort. Donc comme ça, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer les vidéos, parce qu'il se trouve que j'ai des vidéos qui sont déjà prêtes à être postées depuis du coup 3 semaines. On est sur un truc pas mal vraiment. Donc ça veut dire que normalement il y a deux vidéos qui doivent sortir. Il y a la vidéo sur la génétique et la vidéo sur... qui expliquait déjà pourquoi j'avais pas bossé depuis longtemps. Donc comme ça, au moins je fais une vidéo qui est pas très bien. Enfin là, je filme avec mon téléphone, il y aura pas de montage, etc. C'est juste pour vous expliquer pourquoi je ne poste pas de putain de vidéo, que c'est pas de mon ressort. Première partie d'août a été super mouvementée parce qu'avec ce projet que je tape dessus depuis un an et puis très intensivement depuis mars, j'ai vraiment pas de répit. Le faire le site, etc., trouver le local, les erreurs techniques, le marketing, etc., les rendez-vous. En ce moment, j'en ai 3 à 4 par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, il faut que je m'entraîne, prépare mes repas, que je passe un peu de temps avec ma famille, ma chérie, etc. Ça me prend un temps, mais juste inconcevable. Mais je suis en plein kiff parce que ce projet est en train d'arriver très très vite et personne va être déçu. Vous allez trouver, c'est incroyable, un concept qui n'existe pas en France, c'est mon concept et je suis extrêmement fier de partager ça avec vous d'ici une vingtaine de jours. Et quand je dis une vingtaine de jours, c'est oui parce que c'est le 19 septembre et ça me fait trop bizarre de dire ça parce qu'il y a un an j'ai eu cette idée folle et depuis je me suis lancé et ça va être le feu. Donc, petit récap. De ces mois, je suis super occupé vraiment sur ce projet qui va sortir. Je vais essayer de vraiment reprendre les vidéos dès que possible. Je vais peut-être filmer à la fin de cette vidéo. Je sais pas si je vais mettre mon training, mais je filmerai peut-être mon training pour vous voyez. Je crois que c'est en jambes ce soir. En tout cas, j'ai pas arrêté les vidéos, j'ai pas arrêté la muscu, j'ai pas arrêté Instagram. Tout se passe sur Instagram. Suivez les stories si vous voulez voir ma tête. Absolument, je continue à exposer ma vie sans aucun qui n'a pas d'intérêt. On va pas se mentir sur les réseaux sociaux sur Instagram. Donc si vraiment ça vous manque, abonnez-vous à CBBFit sur Instagram. Le lien est dans la description. Et voilà, bon, je suis juste en train de vivre mon rêve et de sortir un projet fou d'auto-entrepreneurial que je pensais jamais avoir les couilles de faire avant. C'est quelque chose qui n'existe pas en France, un shop unique. Et honnêtement, c'est trop fou.
Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des semaines où j'avais même pas envie de me lever tellement ça se passait mal, il y a eu des conneries, des trucs que je savais même pas que ça pouvait être possible d'avoir autant de stress et j'ai persévéré, travaillé dur pour qu'un jour ce projet il voit le jour. Mais comme ma compétition, ma préparation de compétition c'était pareil, j'arrivais pas à filmer parce que j'étais tellement, soit j'étais à fond dedans, soit j'étais pas motivé. Et il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de me lever, mais je me rappelle qu'à chaque fois que le meilleur arrive après le plus dur et dans la vie quand on veut vraiment avoir quelque chose, il faut travailler dur jour pour jour, chaque heure de chaque journée, de chaque année, de mois et année, il faut tout donner, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, donc vraiment beaucoup, trop hâte que ce projet aboutisse, qu'il vienne à vous, que vous puissiez découvrir tout ça, acheter ça, remplir votre panier de ce produit qui est fou, et puis voilà, YouTube me manque, vous me manquez, ça me manque de faire des vlogs, ça me manque de pouvoir montrer ma vie nulle sur internet et puis voilà, donc je suis désolé, j'essaie de faire au mieux pour réparer ce putain de PC, peut-être filmer des vlogs avec le téléphone, je sais pas du coup comment on va procéder, mais en tout cas je vais essayer de vous montrer ça un maximum. Si vous voulez voir les coulisses, encore une fois c'est Instagram, le lien de la startup c'est Projet X1, mon Instagram c'est CBFIT, et puis voilà, globalement j'arrive sur une fin de course, j'arrive sur une fin de projet. Après des mois et des mois d'acharnement et de travail, ça montre juste que une fois qu'elle est réelle avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle, quand vraiment elle veut quelque chose, elle travaille pour, et qu'elle dit pas qu'elle veut quelque chose, mais elle travaille pas pour, elle met ce qu'elle veut le plus en responsabilité ultime avant les autres choses, et qu'elle travaille dur et on voit qu'il y a des résultats, on peut faire des choses incroyables et il n'y a vraiment rien qui est impossible. Donc quand ce projet va sortir, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer qu'on peut faire de très grandes choses. Vous allez voir, ce projet est très très grand. Et puis voilà, en ce moment, je m'organise pour virer tout ce qui est négatif de ma vie puisque j'ai beaucoup de stress. C'est très difficile à gérer et j'ai envie de rester positif, envie d'apporter ma bonne humeur, envie d'apporter... Voilà, toute la motivation quand même à travers mes vidéos, mon Instagram. Et donc, quand c'est comme ça, éloignez-vous de tout ce qui est toxique. Associez-vous à tout ce qui vous motive, à tout ce qui vous rend heureux et de bonne humeur. Et puis, moi, c'est YouTube aussi qui fait partie des choses qui me mettent de bonne humeur. Donc, très content de faire cette vidéo. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour rien dire. Je vais essayer de reprendre, faire quelques vlogs d'ici là. Et puis, d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est fit. Ciao les gars. À la prochaine. Let's go.